Eh bien bonjour à tous, c'est 77 Cabal, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Entre temps il y a eu beaucoup de choses, hein. Je suis venu, tout ça, pas forcément le temps. J'avais envie de reprendre, et même si j'ai eu plein d'idées dans la tête pour reprendre des concepts, ce genre de choses, je voulais reprendre un peu tranquillement, simplement sur un jeu, on va dire, facile à tester. Mais c'est celui que je choisis. Voilà, donc on se retrouve sur Desperado 3. Alors, qu'est-ce que Desperado 3, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un jeu de, on va pouvoir dire, de stratégie en temps réel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tour par tour ni rien. Et le principe, ça va être de faire les objectifs, ce genre de choses. On a un commando, on va dire, de 5 personnes qui ont chacun leur capacité, leur façon de jouer, leur vitesse, tout ça. Et le principe, c'est de se servir des 5 personnes, ou moins quand c'est une mission où il y a moins de personnes, pour finir la mission et réussir les objectifs. Tout ça. Donc c'est un peu un die and retry, puisque en général on va mettre en place des stratégies, puis au final on va se rendre compte que on se fait repérer, qu'on va se faire tuer, donc on doit recommencer, ce genre de choses. C'est un jeu où il faut beaucoup sauvegarder et beaucoup charger de parties. Pour ceux qui ne connaissent pas Desperado 3, en tout cas qui ne connaissent pas la licence Desperado, moi personnellement je n'ai pas fait le 1 ni le 2. Par contre j'ai joué à son cousin Commando, et c'est l'un des premiers jeux sur lequel j'ai joué quand j'étais plus petit. Commando 1, Commando 2 et puis le 3 Destination Berlin. C'était des jeux vraiment très très... Enfin moi c'est des jeux qui m'ont collé à la peau vraiment. Je les ai recommencés récemment parce que le 1 je l'avais jamais terminé parce que tellement il était compliqué. Et puis on a eu également, avant Desperado 3, on a eu Shadow Tactics, qui était un peu le même système, donc avec 5 personnages, mais ce coup-ci dans le Japon féodal, et qui était vraiment très très bien. J'ai vraiment très accroché, même si j'y ai joué pas mal en retard, qui est, il me semble, gratuit sur le Game Pass si jamais vous possédez une console, une Xbox, ou même sur PC, sur la boutique Microsoft. Voilà. Sans plus attendre, on va démarrer. Puis on va se laisser guider. Je connais pas du tout, j'ai juste renseigné les options et sur le dire de voir le jeu en anglais et tout ça. Et puis c'est parti. Alors la difficulté est équilibrée, démarrer juste rapidement vos personnages en MDT, en moyenne. Vous demandez aux joueurs déjà familiarisés avec les jeux tactiques en temps réel. Bon. Du coup c'est lui qui me dit que c'est en temps réel. Alors, la difficulté difficile, combien un joueur qui possède une connaissance approfondie des mécaniques des jeux de stratégie en temps réel, les ennemis réagissent presque instantanément et sont plus agressifs. Les personnages ont moins de santé. Recommandé aux vétérans des jeux de tactique en temps réel. Ok, on a Desperado. C'est quoi? Exige une planification et une exécution parfaite. Les ennemis ont des réflexes fulgurants. Les personnages n'ont presque pas de vie ni de munitions. Déconseillé pour une première expérience du jeu, quelle que soit la compétence du joueur. Bon allez, de toute façon je pense qu'on pourra modifier si besoin. De toute façon pour moi le principe c'est de pas mourir, donc on va rester avec un nombre de sauvegardes illimité. On n'est pas non plus des... J'ai un minimum... Donc c'est signage, hein. On va rester en anglais du coup, il n'y a pas français. Puis, je pense que certains d'entre vous préfèrent les dialogues en anglais. Donc, on va rester sur ça. Thank you.
Johnny, you're straggling. Come on. Right behind you, Pa. I'm going on ahead. You follow. Keep your head down. Yes, sir. Sure. Let's go. On my way. D'accord. Shit. Who lost the fucking key anyway? Sure thing. Si un ennemi aperçoit votre personnage, son champ de vision se remplit de jaune. Si la couleur jaune vous atteint, l'ennemi vous a détecté. Il commence à vous attaquer et donne l'alerte. Sélectionnez un ennemi avec bouton droit pour afficher son champ de vision. There's the first guard. I need to be sneaky about this. I'll get it done. Voilà, c'est bon. I could really use a shot right about now. Alors la question c'est que dois-je faire? Ah, je dois aller jusque là-bas. Okay. Le jeu est très beau. C'est sympa. Donc on voit ici qu'il y a un endroit, si je suis accroupi, je pourrais y rester. Hop, aussi simple que ça. Yeah, leave it. I'll come back later with an axe. Sauvegarde rapide. Vous pouvez sauvegarder la partie en appuyant à tout moment sur F5. Appuyez sur F8 pour charger rapidement votre dernière sauvegarde. N'hésitez pas à utiliser cette fonction. Échouer et réessayer fait partie intégrante du jeu et est nécessaire pour progresser. Eh bien, soit donc F5. That's my boy. Now stay close. There's another up ahead. Sure. No problem. Cooper peut lancer une pièce pour distraire les ennemis présents dans le rayon bleu. Appuyez sur D, puis bouton gauche pour la lancer. We need to get his attention elsewhere. Sure. I'll throw one of my coins. Good idea. Get him to turn his head. I'll do the rest. Oh. Right. On my way. Je sais pas qu'il allait faire ça. Remember. Think slow. Act fast. We always hide the body. You've been paying attention. On a toujours caché les cadavres. Sure. Ça permet de pas s'embêter avec ça. Follow me. Keep your head down. On my way. Mode affrontement. Right. On my way. Alors, le mode affrontement met la partie en pause et vous permet de planifier une action par personnage. Vous pouvez exécuter les actions immédiatement ou les sauver pour les exécuter ultérieurement. Les exécuter, pardon. Appuyez sur Mage pour accéder au mode confrontation. Remarque, au niveau de difficulté d'Esperado, le mode affrontement ne met pas la partie en pause. Oula. Ok. Don't come to me. I'm just standing here. Lancer la pièce vers le cheval. Still got plenty left. I'll get it done. Quitter le mode mage. Et exécuter. Entrée. What the? Leave it to me. Hey, Pa. Yeah. How many men does Frank have? Doesn't matter, boy. One on one, you always got a chance. You just gotta thin out the pack. It's now or never.
On a une échelle locked. Ici. No surprise there. Il va falloir que je grimpe. I got this. All right, son. Time for a challenge. See that ladder up there? I need you to throw it down for me. Sure. No problem. Sure thing. Good job. Matt's my boy. It was easy. I'll get it done. Keep your head down. En sacrifiant espèce, votre personnage peut traverser la zone sombre et assurée du champ de vision d'un ennemi. Lorsque votre personnage sacrifiant à toi, il est dissimulé aux yeux des gardes en contrebas. D'accord, sure, let's go. Voilà donc. You gotta find a way to sneak through. Ok, donc là si on regarde elle, elle voit pas jusque là. Lui par contre il voit là-bas, donc on peut pas prendre cette échelle. Si je passe comme ça. C'était pas une très bonne idée parce que finalement comment je vais faire pour arriver ici. Par où je dois aller? One fake coin coming up. Heads or tails? There. I got this. Limber! Come out, you wish. C'est bon, je suis là. I'm right. Ça sert à rien, coup. Où dois-je aller? Oh, you hear that? It's about to go down. Come on. Objectif mis à jour. Okay. Alors, attrapez votre. You don't scare me, you half-wit. See the one in the back near the cliff? Find a way to distract him with your coin. Then I can take them both out. Okay. Sure. No problem. Leave it to me. I got this. Glad I picked up these. What's that? Hop. He's still breathing. Tie him up and quick before he comes to. On my way. Dissimuler les corps dans les maisons et d'autres endroits. Appuyez longuement sur le contrôle, appuyez sur le bouton gauche pour ramasser un corps. Lorsque le corps transporte un objet, appuyez longuement sur contrôle. Ok. Now you stay put, okay? Good job. Ouais. Now hide him in the bushes. Est-ce que je peux le ramasser, effectivement? Right there. Contrôle. Ah, pardon. Atta boy. Let's go. It's now or never. J'ai pas besoin d'échelle, moi, saute. We gotta get moving. Alors, rotation. No way I can see. Ah, c'est pas elle. Ça, c'est elle. Leave it to me. Gotta find another way. Cool. Ok, on a donc ça qu'on peut faire tomber. Where'd they all come from? Don't matter. See that crane up there? Yeah. How about you go over there and make a delivery? Coming right up, sir. Hop. Right, on my way. Sure. No problem. Sure, let's go. Le fichier surveillance sous ennemis et les objets utilisables avec H. Ok. Ah. Ah, je me suis embêté pour rien. Ah si.
Si, c'était bien, c'était bien. Hop, on passe par là. On fait tomber ça. Et ça garde, tranquille. Nice job, son. Now stay right there. I'll come to you. Good job, boy. You know the drill. You wait till I'm back. Thought I was ready this time. Next time, I bet. You said the same thing last time. Why can't I come with you? Just give me a gun. A gun, huh? I want to see you hit that tree from 15 paces. When you pull that off, you're ready for a gun. See you later, Johnny. Clean, boys. Take everything that shines and anything what could drink a man's blood. Come on, let's show them who's boss. Yeah, take cover. Come this way, let's flank him. C'est déjà une sacrée mission dès le début. Another notch for Big Ann. Hey, leave some for me. I wonder what's in here. Something tells me you ain't here punching tickets. Huh. Seems like we made an unplanned stop. I'd better go find out what's holding us up. Donc là déjà vous avez un peu compris le principe du jeu. Gonna have to sneak my way up to the front of the train. On va voir ce qu'il me dit. Vous pouvez éliminer vos ennemis de près avec un couteau ou les assommer. Appuyez sur Q pour sélectionner le couteau, puis sur le bouton gauche pour attaquer. Pour assommer un ennemi, changer de compétence dans la barre des compétences ou utiliser Y. Someone's about to lose a few teeth. Est-ce que je la sors? Bring it on.
you stay put. You're heavy. Here goes. Peut lancer son couteau. Il doit le récupérer ensuite appuyer sur S pour sélectionner le couteau de lancer. Gotta take him out from here. Better throw a knife. Alright. Si je commence déjà à courir. Rope lifts, wheelbarrows. Man, these folks sure came prepared. Alright. Better get up top. It's not got it. Hop, je récupère le couteau. Je vais faire une bêtise. Faut vraiment bien regarder aux alentours et tout ça. Parce que sinon on oublie des choses ou on passe à côté de l'élément. Il y a plusieurs façons de faire les missions. Civil. On le voit par exemple. Ok. On peut utiliser ses revolvers pour éliminer les gardes. Les revolvers sont puissants et alerteront les gardes qui les entendent. Puis sur F pour sélectionner des revolvers et tirer. Si je me mets ici, I got a bullet for you. Cover me. Here he comes, the old and the new. Here goes. Somewhere. The Undertaker. Thank you, stranger. Find a place to hide. Next time, I better trim down the pack before I get loud. Let's get going. Toujours sauvegarder, c'est important. Don't you move, buddy. Let's not do anything we might regret. Not a problem. Peut tirer avec ses deux revolvers en même temps. Appuie sur Mage pour accéder au mode affrontement, puis ok. I gotta take them both now at the same time. Tac. Things will get noisy. Tac. On exécute. Et voilà. I'd say you owe me one. Hey now, are you kidding me? I'd say we're even now. Now I suggest you return to your wagon. I'll handle things from here. Well, like you handled those two? Listen, Mr. Cooper. Mr. Cooper, I've been hired to make sure this train gets to Flagstone. I'd appreciate it if you don't get in my way. Well, now, Mr. McCoy. Dr. McCoy. Right. Dr. McCoy. The way I see it, there's only one way forward, and I gotta get to Flagstone, too. Suit yourself, but don't say I didn't warn you. So, looks like the bandits blocked the tunnel. Why do you think the train stopped? It's gonna take some work to clear those rocks. Good thing they have a stash of dynamite up on that plateau. Yeah, grab it and clear the tunnel. Not such a bad plan. I don't do bad plans. Fair enough. Let's get to it then. Sure thing. Donc on vient de récupérer notre deuxième acolyte. Qui est... Ah, on peut voir, on peut porter un corps debout normal, peut grimper des échelles, aux vignes, au corps, peut nager. On peut tirer un corps à coups de pilon, peut grimper aux échelles, mais lui il ne sait pas nager. Ok.
Récupérer la dynamite. McCoy peut lancer son sac pour appâter les gars. Il doit ensuite le récupérer. Piège à gaz, aveugle les ennemis qui ouvrent le sac. Lorsque cela se produit, il examine la zone. Dakodak. Ouais, bon, j'imagine que... Shall we? Not sure where this is going. Well, all right. I'm gonna use my bag as bait. You just hide and learn something. Seringue, bandage, le sac du docteur. Placez le sac du docteur. Premier ennemi, elle apercevra, viendra le chercher. Okay. It saved me just let's throw out the door. Come to like a moth to the flame. Who needs a gas trap, huh? Not bad. Je me demande si on a des munitions avec le... Voilà, donc lui par exemple il galère un peu plus à prendre les... Prendre les ennemis. Je peux pas le lancer aussi. Donc... Tac. Understood. I got a few tricks. It's just fishing. Don't get in the way. It works very fast. Bon, bien sûr, quand on voit ça, on se dit, oh, bah, c'est facile. Parce qu'en vrai, enfin, si c'est comme dans Shadow Tactics, après, on aura des ennemis qui... Oh. Oh. Heading there. Quand même pas fait planter le sac. On aura des ennemis qui sont insensibles à ce genre de stratagème. Alright, I'll follow. Nothing damaged. On peut utiliser son Colt Hutling spécial pour abattre des ennemis à grande distance. Il a besoin de ses compétences pour atteindre l'objectif d'une mission. Il disposera d'une dernière balle d'or, s'il a besoin. There's a lookout. Up on the cliff, I'll take him from here. That I want to see. Well, I'll be damned. Colt Buntline Special. Custom stock, custom rounds. Yep. The path is blocked. Donc on l'a vu, voilà. Il n'y a qu'un seul qui peut grimper au mine. We go. My climbing days are behind me, Mr. Cooper. Well, we'll figure something out. You can manage this rope ladder, Mr. McCoy. I prefer Dr. McCoy. I'm sure you do. It'll cost you. Let's keep our distance. She sure does. Knife will do. Who needs a good killing? Oh. Bon. C'est là que ça commence à se corser un peu. Alors, comment faire? But they're taking their time with him. Bastard deserves it. Eyes on the target. Si je fais ça, je suis repéré. Ce que je peux faire, c'est prendre lui. Elle va revenir. What if he killed them? Maybe I'm next. Relax. Guy like him ain't gonna waste a bullet on you. Who wants to have a up? Here they come. How's it going? Le mieux c'est de prendre lui. Need sharpening. Shall we? Eyes peeled. His friend's gonna be looking for him. What the fucking boat is doing here? Don't know. Don't care. C'est un jeu de réflexion, donc j'avoue que
que je parle, je risque pas de forcément de parler donc. Ok. Elle s'est fait avoir aussi. Hop, ça d'aille. Ok. Ok, ça c'est réglé. Lui, il va jusqu'ici. I usually work alone. Bon, toujours pareil, hein. Au début c'est très facile parce qu'ils se font tous avoir par, par les mêmes subterfuges. It saved me, doesn't it? Let's throw out the door. Hop, je fais ça. Like a moth to the flame. Donc lui, il fait ça. It ain't personal. I'm here. Who needs a good blood? That'll teach him a lesson. Come on. Back in business. Hop, F5. You better have a plan here. Let me take care of that. On my way. Up we go. Let's drop this one off. Don't get in the way. See the one with the poncho? Les gardes qui portent des ponchos ne sont pas faciles à duper. Ils ne quittent pas leur poste et se distraire beaucoup moins longtemps. Voilà, nous y voilà. You're gonna move if it ain't necessary. And you know that because... Trust me, I know the time. I smell trouble. Okay. Travaille les gars avec des ponts. Let's go. Oh, pas le... Oh, fuck. Ouf. J'ai failli faire ma première mort. Ok, j'ai déjà une petite idée de comment je vais faire la chose. Je vais tourner bien. Ouais, ça, je pense que ça va passer. Alors, le principe. Lui, je vais attendre qu'il monte tout en haut. Lui, il va se prendre un coup de haut. Et après, je vais m'occuper de lui. Hop. Hop. Don't you move. You got it. All right. All right. I'll take that. Et lui, il aille. Sharpening. Il me fait peur, je crois que... I know he's got it. Mais d'abord, on met la partie en pause et vous permet de planifier. Entrée, hein. Appuyez sur match si vous souhaitez exécuter les actions planifiées ultérieurement. D'accord. Là, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais du coup, bon, c'est un peu logique, hein, un poste de garde, donc ça veut dire que si on se faisait repérer, il y avait du monde qui allait sortir. Et ça, c'est jamais une bonne idée. C'est déjà compliqué quand on a des ennemis, mais alors quand on commence à avoir en plus des patrouilles, c'est un enfer. Sure thing. Let's go about this quiet. I take one, you take the other. Comme il vient de dire. Eyes on the target. Let's make it quick. Okay then. That's sweet. Straight through hell. Et après, je fais exécuter. Especially just what I had in mind. I'd rather stay out of this. Vous pouvez sélectionner plusieurs personnages. Ok, ça je savais déjà. The passengers sure could use our help. Why waste time? Pourquoi je fais des... Let's keep going. Petite bêtise là. Well, that's what you get for riding on a bit company train. Donc là, on a, faut déjà regarder combien d'ennemis. On en a 5, approximativement. I got a feeling about this. Des fois, on peut aussi passer sans... Ouais, là... That's right. Keep pour le coup, le principe, c'est de... Let's keep moving. You're a cold bastard, Mr. McCoy.
To each his own, Mr. Cooper. This is only. Keep piling up down here. Front of the train. Come on, come on. Looks like we made it. We still need the dynamite to clear the tunnel. That's easy. Come on, let's make our way up. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le marqueur de champ de vision indique si un endroit est surveillé par des gardes. Appuyez longuement sur bouton droit pour le placer à un endroit. Ok, donc si par exemple je fais... où est-ce que ça pourrait être intéressant de tester? Lui, il me gêne pas. Je dois aller où? Je dois aller là-bas. Pour aller là-bas, il faut que je passe par ici. Par ici. Je regarde si par exemple ici on a de la vision uniquement quand lui il arrive. Oh, lui il a un nom particulier, peut-être que si je le tue je vais faire un achievement. Alright, I'll follow. Oula, ouh. Billy Beer Hatting Rugface. Donc on va essayer de le tuer, on va bien voir, peut-être que ça me fera un succès sur la mission. Ça me paraît bizarre que lui ait un nom alors que tous les autres No problem. Keep your heads down. We'll take care of the bandits. Thank you. Chasseur de primes vétéran, effectivement, donc ça donnait un succès. Par contre, le souci c'est que lui il va venir, il va dire y a personne. Watch and learn. Vite tombe. Un coup de relève. Back in business. Oh. It's now or never. Je vais le cacher quand même. Let's go. I wouldn't worry just yet. Donc on a des petites caisses comme ça avec des munitions pour. Pour le collègue. Okay then. C'était une bonne idée. Sword of Damocles. That there rock is begging to be pushed. Ça me paraît pas mal tout ça. Donc là j'allais déjà faire une bêtise, encore une fois. Voilà, lui il vient et il le voit. Donc c'est pas un bon plan de. Ça, et depuis tout à l'heure on entend une femme parler. C'est elle, Big Anne. Donc c'est elle. C'est amusant, sur celui-ci on voit le sexe des personnages. C'est marrant. Là on a encore des balles de revolver. Et ça c'est quand on a envie de faire un massacre. Bon, c'est la bêtise. Voilà. Première mort. Chargement rapide, yes. Donc lui là, le souci que j'ai, c'est que je vais pas pouvoir. Ah oui, d'accord. Effectivement, il a un tout petit rayon. Je peux potentiellement l'esquiver. Là on a aussi la pierre, je pourrais la faire tomber sur ces deux-là et les tuer. Mais le souci c'est que en général ça rapporte beaucoup trop de bruit et après il y a des alertes, ce genre de choses. C'est compliqué de gérer quand on a ça, donc c'est mieux quand on peut d'aller les éviter. Let's go. On va profiter tant qu'il ne regarde pas. Et voilà, on est passé. Don't you move. Bon. Just a scratch. Bim, la deuxième. Donc là encore une fois j'ai fait l'imbécile. C'est à dire que je me suis concentré uniquement sur mon écran. Alors qu'en fait, plus loin, on voyait bien que lui il allait me voir. Donc faut absolument que je me débarrasse de cela. Pour passer. Pour ensuite passer par en haut. Parce que lui je crois que il finit par se tourner à un moment donné.
Ah, puis il y avait lui aussi, donc au final, dans tous les cas, j'étais cuit. Ouais, voilà, fini par se tourner. Ok, donc faut qu'on les tue. Il faut qu'on les tue. Donc je peux potentiellement faire ça. On va regarder ce que ça fait. Ok, j'ai gagné ACC. Ah. Bad move. Encore une fois. Je viens de voir un truc là. Quand je fais échappe, j'ai quoi? Donc ça c'est mes sauvegardes. Ok. Ok, on a encore le nombre de personnes. Après, comme on voit, je peux aussi... Là, je m'en tête à essayer de passer par là. Et je pourrais aussi, par exemple, passer par... On va faire ça, on va voir. Ça m'a l'air un peu moins compliqué de passer de l'autre côté. Du coup, avec les quelques personnes que j'ai tuées. Oh, oh. Sure thing. Je vais pouvoir me caler ici. Voilà. On va sauvegarder. Je vais ramasser les munitions, je sais pas pourquoi, mais c'est génial. Donc là, le principe, ça va être de le tuer lui. Normalement, avec son pistolet. Let's keep moving. J'espère que je fais pas trop de bruit. Ok, je suis bien. Donc ça c'est une chose, il me reste lui. Il faudrait que je le tue. Ok, hein? Who needs a good killing? Someone's about to lose a few teeth. Comme ça je m'ouvre de belles... Let's make it quick. Perspective d'avenir. Lol. Ok, ça c'est bon. Keep your heads down. We'll take care of the bandits. Thank you. Thank you so much. Toi tu le vois, toi tu le vois. Donc en partant de ce constat là. Not a problem. Je peux aussi tout bonnement faire une sauvegarde. Leave the faire boss to me. Ça. Mettre un petit sac ici. We'll see. Oh, il y a un sac. It works very fast. Je regarde ici depuis 10 minutes, il n'y a rien, et puis là, il y a un sac. Bon, hop, comme ça, il est mort. On va aller tuer lui tranquille. Bring it on, shall we? Back in business. Gotta love bandits. Don't et on passe en haut. Ah. Ah, j'avais pas vu ça. Ah ouais, ouais lui par contre... Ah si c'est... On n'est pas trop mal. Lui il voit donc c'est compliqué. Lui il voit donc c'est compliqué. Ici par contre ils sont invisibles. Donc là par exemple est-ce que je pourrais faire ça, ça va faire beaucoup trop de bruit. Je veux pas les enregistrer mes actions. Je veux plus. Ok, c'est bon. Ok, donc là dans l'idée, lui faut que je le tue. C'est Al Cooper. Al Cooper, on dirait un peu Arthur Morgan. Un petit peu, il y a un petit air.
Mais est-ce qu'il faut... Non. Là, je me trompe encore un peu sur les boutons. Pour le moment, ça ne m'est pas très préjudiciable. Bon, j'aurais dû faire avant, parce que là, du coup, ils veulent voir. C'est pas mon plan. Ça fait un... Oh, y'a un... Watch and learn. Vas-y, avance encore un peu. Pourquoi? Ah non, il était encore dans la zone de haute. Aïe. J'ai bien fait de pas sauvegarder. Bon. J'aurais dû le ramasser. Là, il va être un peu trop tard. Non, c'est... Fuck. Eyes on the target. Bon. Ah. Fuck. Ok, donc on est bien dans ce qu'on disait. Lui. Bon, en fait, on peut faire un truc un peu plus simple. Si je fais ça là, peut-être qu'il va là. Je suis peut-être un peu trop... Ouais, non. Vas-y. Ouh, la vache. Ça se joue à rien. Ouais, il y a plusieurs façons de voir la chose, plusieurs façons de... Plusieurs façons de faire les missions. Donc là, c'est plus un problème. Je peux aller le tuer. Oh. Je suis un peu con quand même. Je suis un peu con. Bon. Donc toi, tu le vois? Toi, t'es gentil. Ok, c'est parce que je me suis repéré par Poncho Man que... Hop, ça dégage. Maintenant... En fait, il fallait que je fasse le... ce que je faisais depuis le début. Et en m'occupant de lui en premier. Voilà, comme ça, lui, c'est bon. Ah, ouais, j'ai pas fait gaffe que Poncho... Quel Poncho... Il allait m'embêter sur ça. Parce que lui, il va plus loin. Non. Lui, il va jusqu'où? Okay. Donc là, le principe, c'est de m'occuper de celui-là pour ensuite m'occuper de celui... Ah ouais. Pour faire une élimination. Watch and learn. I'll get close and personal. Okay, I'll take that. Tech. You little company shit. Tell me where they put the safes. I don't know. Okay, F5. Le principe, ça va être. Oh, come on. Tu vas aller le tuer. Ambush right on schedule. You won't. I can handle that. Thank you. On va continuer. On se met à peu près à la même distance. Et F5, on regarde, et c'est parti. Toi, tu vas quand même le cacher parce que lui est quand même vachement proche de toi. Ok. My man will find it. I'm not hiding anything, miss. I'm losing my patience. Please, don't. Let's make it quick. What's that? Useless. C'est pas cool. Ah merde. Je suis complètement débile. Ok, bon, on recommence. C'est vrai que j'avais oublié lui.
toi, tu es lui. Toi, tu es lui. I'm losing my patience. Please don't. Hold a second. Sure. Useless. The money is. Allez, ça d'aille. Scratch, we got it. Je pense que c'est que j'aurai un succès parce que j'ai fait les trois. Et là, ça va m'expliquer comment balancer le. Vous pouvez ramasser la dynamite dans le tonneau et la lancer avec. Viser avec Q. Ok, on va essayer. Not a problem. Throw it fast. What the hell? Take him, you goddamn good for nothing scumbags! Good thing we got more dynamite. They think they can hide. Find them. Whoever finds them gets their stuff. No more surprises. On va descendre là. Ah, non. Ah non, j'aurais dû descendre beaucoup plus tôt. J'aurais dû descendre un petit peu plus tôt. On va récupérer. Ok. J'imagine que c'est un point de. Un point où je veux aller. Alright, let's find a safe spot. Alright, let's deal with the rest of them. My thoughts exactly. Guess you made the DeWitt Company happy today. How much do you get for a job like this? Hope you're not expecting a cut. Relax. I got what I need. You're changing rides? Gotta make good on time. Like I said, I got an appointment I'd like to keep. Suit yourself. It wasn't half bad working with you, McCoy. Sure. If you need a professional, you know who to send for. Good day, Mr. Cooper.